tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais fait vu que c'est une vidéo haul achat de soldes. Je me suis dit qu'il fallait que je vous la fasse maintenant en revenant de mes soldes, sinon je ne vous la ferai jamais. Et je m'excuse du coup pour la luminosité parce que voilà, je suis chez moi, il fait nuit, il est 6h42 je crois. 6h42 et voilà, il fait déjà nuit, c'est normal, c'est l'hiver. Donc voilà, comme moi-même je travaille dans une boutique, je fais également les soldes, donc j'ai pas trop le temps d'aller faire mes soldes à moi, mais j'ai trouvé un petit peu le temps aujourd'hui, je finissais un petit peu plus tôt à 5h30 d'aller faire quelques achats et je vais voir avec vous. Donc j'ai été seulement chez Sephora, Maison du Monde et Douglas et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Je vous mettrai tout à côté en vidéo. Donc en premier on va commencer par Maison du Monde où j'en ai vraiment eu pour pas très cher. J'en ai eu exactement pour 13,35€ et je suis très contente. Donc mon premier achat, c'est un sein comme ça, je le trouvais très mignon. Et à la base, il vaut 16,99€ et je l'ai eu à 4,20€. C'est un sein qu'on accroche sur la porte comme ça et après on accroche ses affaires. Donc je sais pas trop qu'est-ce que je vais accrocher parce que j'en ai déjà un, mais pas comme ça, pas aussi kiki. Donc voilà pour mon premier achat. On passe au deuxième, donc là c'est vraiment pour acheter, j'ai déjà des torchons mais j'en avais pas avec des macarons, je vous le mettrai en photo à côté. Donc il y a marqué gâteau assorti, fantaisie nouvelle, maître pâtissier, millefeuille, il y a un petit millefeuille et un macaron, qu'est-ce que je dis. Et lui à la base il valait 3,99€, donc il était vraiment pas cher. Et je l'ai eu à combien? Donc je l'ai eu à 1,95€. On continue, ça c'est toujours utile du coup, j'ai acheté, ça s'appelle une lunchbox, je l'ouvre avec vous. Alors pour vous dire, à la base il était à 6,90€, il était à moins 50% et en fait je l'ai eu à 85 centimes. Donc pour toutes celles qui veulent, qui mangent à l'extérieur, qui veulent mettre, alors je sais pas trop à quoi ça sert ça, je me dirai en commentaire à quoi ça sert. Je pense que c'est pour mettre des fruits ou je sais pas du tout à quoi ça sert. Ce petit truc à l'intérieur, si vous savez, n'hésitez pas à me dire par commentaire. Je découvre en même temps que vous l'intérieur. Et donc j'ai tout le gros truc, je sais pas à quoi ça sert. Et j'ai surtout ça qui m'intéressait pour mettre à manger. Et il y a même un compartiment à l'intérieur, donc je suis super contente. 4,5 centimes. La fille donc m'a expliqué qu'en fait il était déjà en réduction à la base. Et donc j'ai eu deux fois moins 50%, un truc comme ça. Donc 85 centimes, c'est vraiment le top. Je suis super contente, c'est vraiment le truc où je suis contente. Ensuite j'ai acheté des petites coupes comme ça, j'en ai acheté 4, c'est pour mettre des glaces à la base. Et moi en fait j'ai vu dans des restos qu'ils mettaient des frites, donc quand je ferai des frites, chose que je ne fais pas parce que dans un appartement ça pue, mais j'ai une terrasse, alors peut-être qu'un jour j'ai une friteuse électrique, faudrait que j'en fasse. Je vais les mettre là-dedans pour les présenter, j'en ai acheté 4 et ils étaient à 50 centimes, ça fait que les 4 je les ai eu pour 2,40€, en gros je crois que c'est 60 centimes, un truc comme ça. Je suis pas très forte en calcul. Et dernier petit achat, je l'ai pas en plus senti, j'ai senti juste la boîte. C'est un spray parfumé, il y a marqué douceur étoilée. Je trouvais le packaging super mignon et l'odeur, en fait c'est pour parfumer un parfum d'ambiance. Hein. Il est à 7,99€ à la base et je l'ai eu 3,95€. Et je vais vous dire, c'est très très doux, on dirait un petit parfum pour bébé. D'ailleurs je pouvais parfumer mes coussins avec. Donc voilà, et même en déco, je trouve ça très kiki, voilà. Voilà tout. On continue parce que forcément, en tant que fille et en tant que youtubeuse, j'étais obligée de m'acheter quelques trucs beauté. Vous savez que dans un mois, et même pas un mois, hein, dans 30 jours, je pars à New York. Et je me disais, Sarah, tu feras pas les soldes et tout cette année, tu gardes tes sous pour New York. Mais bon, j'ai quand même craqué. Je suis allée chez Sephora, donc j'avais acheté ces deux limes. Je me rappelle plus du tout du prix. Et je sais même pas où est-ce que j'ai mis le ticket de caisse. Mais en gros, c'était à moins 50. C'était très intéressant. J'ai également acheté le front cover. Vous savez, en fait, c'est des petites boîtes comme des livres. Et à l'intérieur, vous avez du maquillage. Et là, c'est le kit plus pour les yeux avec l'eyeliner, etc. Je vous le mets en photo à côté. Je l'ai eu pour 9,50€ au lieu de 19€, il était à moins 50%. Et en fait, avec les fards à paupières, ce qui m'a encore plus tenté à le prendre, c'est que vous avez un eyeliner transparent et vous le trempez dans le fard à paupières et ça transforme vos fards à paupières en eyeliner. Donc c'est super sympa, il y avait un pinceau, un taille-crayon, un crayon pour les yeux, un eyeliner noir, des fards à paupières. Donc c'était super sympa pour 9,50€. Je me suis enfin laissé tenter parce qu'il existait déjà l'année dernière aux périodes de Noël quand je travaillais moi-même chez Sephora. Et à chaque fois je me disais bon je le prends pas, je savais pas trop. Et bon,
Voilà, cette année je l'ai pris. Également j'ai pris des vernis Nail Ink qui étaient à moins de 50%, donc au lieu de 14,90€, je les ai eu à 7,45€. J'ai pris la teinte bleue et la teinte noire. Je sais que c'est des bons vernis, mais je n'en ai jamais acheté, jamais testé sur moi-même. Je me suis dit, c'est l'occasion. Ce bleu électrique, vous savez combien j'adore le bleu électrique. J'ai toujours celui d'Essie, ça fait au moins deux fois que je me rachète le même flacon de chez Essie parce que voilà, j'adore l'électrique comme ça, le bleu électrique. Donc je me suis dit, voyons, je vais le tester. Pareil, il est mieux qu'Essie. Et le noir, parce que le noir c'est un basique et c'est un que je n'ai pas. Parlons de basique, la couleur rouge en vernis, c'est une seule couleur que j'avais. J'en avais un pégissage, je l'ai donné à une amie et c'est une des seules couleurs non plus que j'ai pas. Et là j'ai acheté le color chaud chez Douglas pour le coup, qui est à moins 70%. Au lieu de 5,10€, il était à 1,53€. Je me suis dit, il faut quand même que j'ai un rouge, un basique au cas où, on sait jamais. Le pégissage je l'aimais pas, c'est pour ça que je ne le mettais pas. Pareil que celui-là, je vais l'aimer, donc je vous dirai un petit peu plus tard les produits, qu'est-ce que j'en pense. En tout cas, moi je suis très satisfaite de mes soldes, je pense que j'en ai eu pour 14, j'en ai pas eu pour, j'en ai eu presque pour 30€ pour tout ça, donc je suis très contente. N'hésitez pas à aller me montrer ou m'envoyer vos liens vidéo de vous, ce que vous avez acheté en haul solde, ça m'intéresse de regarder. Voilà, cette vidéo est pas très longue parce que je suis fatiguée, je sors du boulot et j'ai fait vite fait les soldes comme ça. Mais voilà, je vais vous préparer une prochaine vidéo. Je pense que ça va être... Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Ah oui, ma routine du matin beauté. Donc pourquoi pas. Après, c'est des choses que c'est vrai que je me sens des fois... Mais je sais pas, j'arrive pas à filmer mon quotidien, moi en train de faire ceci, cela. Mais bon, pourquoi pas, je vais tester, on verra, vous m'avez demandé. Donc j'essaierai que... Enfin, je vais essayer que ça soit ma prochaine vidéo. En tout cas, celle-ci, elle est exceptionnelle, c'est pour ça qu'elle tombe comme ça. Ça fait une deuxième vidéo cette semaine. J'espère qu'elle vous plaira. Si vous souhaitez que je vous fasse d'autres hauls, mais je pense que je vous ferai déjà un haul des États-Unis, tout ce que je vais ramener. N'hésitez pas, en tout cas, à me le dire en commentaire. J'ai oublié de le dire dans ma précédente vidéo, mais j'ai fait un petit sondage sur ce que je faisais au sein de mon blog, de ma page Facebook, de mes vidéos YouTube. Ce que vous en pensez, si vous pouvez prendre 5 minutes pour ce sondage, même pas, hein, ça fait même pas 5 minutes, je pense, pour le remplir. Je vous laisse le lien en bas, voilà, donc n'hésitez pas à y répondre, ça me fera très plaisir et ça me permettra aussi de savoir qu'est-ce que vous attendez de moi. Voilà, ben je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.